Yo Rana les amis, comment ça va? Donc là il est 23h30 du soir. Ouais, il est tard, donc pourquoi je fais cette vidéo? J'en avais beaucoup envie parce que en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, j'étais moins présent sur les réseaux sociaux. Je poste moins de stories, etc. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur les backstage du Bodyfit. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je le mettrai juste là, sur le petit i. Je vous ai pas fait le bilan sur le Bodyfit qui s'est passé le samedi 11 août. C'était une journée juste incroyable, magnifique. Il y avait carrément beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui sont venus, ça me fait hyper plaisir de vous revoir. Suite à cet événement là, j'ai reçu des critiques et tout. Bon, en fait, les critiques, ça va, je les accepte tant qu'elles sont constructives, mais venant de personnes qui n'ont rien fait, enfin qui n'ont rien à voir avec le Bodyfit, qui n'ont rien fait pour l'avancement de ce projet là, je trouve juste désolant. Ça m'a beaucoup attristé. Du coup, j'ai décidé, juste après le Bodyfit, de prendre un peu du recul sur tout ça, et ça me tenait vraiment à cœur. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo là. Voilà, ça me fait vraiment du bien de parler avec vous. Je pense, enfin, ce que j'ai appris de ça, c'est que lorsque vous essayez de faire des choses, ou lorsque vous essayez de faire bouger, voilà, de faire bouger des choses, vous recevez forcément des critiques. C'est dur de réagir face à ça. Et je voulais aussi faire cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, si jamais vous vous sentez mal, ou si jamais il y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie, vous recevez des critiques sur votre physique, sur ce que vous faites, que vous donnez à 100% et que ça fonctionne pas. Juste pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que ça m'arrive à moi aussi, et que pour moi, la solution pour remonter la pente, c'est de manger du chocolat. Non, je rigole. Quoique j'ai mangé beaucoup de chocolat en ce moment et j'ai beaucoup dormi, ça m'a fait vachement du bien de dormir et tout. Parce que c'est vrai que l'organisation de ce Bodyfit là m'a pris énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi, parce que j'ai vraiment tout mis pour que ça se passe super bien. Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissant de toutes les personnes qui m'ont aidé à ce projet là, de tous les intervenants. Waouh, vous avez fait un travail juste magnifique. T'as à peu près 500 personnes ce jour là. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur cet événement là, n'hésitez pas à me dire en commentaire et de lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit like comme ça. Je vous ferai un petit avec les images que j'ai eues, je vous ferai un petit truc sympa. Et d'ailleurs, il y a Winston aussi qui a filmé les spectacles, donc du coup je suis persuadé qu'il a quelque chose de top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo du Bodyfit. Je voulais vraiment remercier tout le monde qui a participé à cette journée là, tous les intervenants aussi qui ont donné leur temps, leur énergie pour partager leur savoir. Ça m'a fait ultra plaisir. Et au delà des critiques, même si, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup des critiques, mais je voulais vraiment remercier du fond du cœur tous vos messages d'encouragement, que vous avez beaucoup adoré cette journée là ça m'a fait super plaisir. J'ai pu voir le sourire sur le visage des enfants, même des parents. Il y avait les grands-parents qui sont venus, enfin, il y avait vraiment tout le monde. Le but de cette journée, c'était vraiment de rassembler notre jeunesse polynésienne à faire du sport, pour agir pour une bonne cause. Ça m'a fait super plaisir de tous vous rencontrer. On a fait plein de photos ensemble. Merci pour tout ce que vous avez fait pour rendre cette journée là juste inoubliable. En tout cas, c'est l'un des plus beaux événements, je pense, que j'ai pu faire. Il y en aura d'autres sûrement. Je voulais juste vous remercier, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. En tout cas, ça me fait vraiment du bien de vous partager ça, de vous dire que c'est pas tout le temps le sourire et tout, c'est pas tout le temps le bonheur. Ouais, la semaine qui est passée là, c'était vraiment assez difficile, où j'avais pas de motivation, où j'étais pas trop bien. Donc du coup là, je pense que c'est le moment de se relever, de montrer aux gens qui nous critiquent que c'est pas eux qui vont dicter notre vie, qu'ils ont aucun droit à nous rendre mal ou à nous empêcher de vivre heureux. C'est pour cela que j'ai décidé de partager ce que j'ai ressenti cette semaine avec vous. Ouais, comme je disais, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo là parce que c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. En tout cas, ça me fait ultra plaisir de partager ça avec vous. Il y a un super projet qui va se dérouler bientôt. Je suis super content de ce projet là, un de mes rêves. Je croise les doigts pour que ça se réalise. Normalement, si ça se passe bien, je vais partager tout ça en vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages d'encouragement. J'ai toujours eu confiance en vous, mes abonnés, la communauté qui me suit sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours été hyper bienveillant envers moi, vous m'avez toujours soutenu, donc merci vraiment du fond du cœur. Après ces deux ou trois critiques venues je sais même pas où, donc du coup voilà, ça touche, mais c'est rien du tout, ça va. Je vais poster toutes les photos du Bodyfit sur ma page Facebook Teddy Jonté, et sur la page aussi du Bodyfit. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de photos. Merci aussi au photographe qui a pris énormément de photos. Je crois que là il y a 2700 photos. J'ai commencé à trier déjà, il y en a de super belles photos, donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire qu'est-ce que vous faites lorsque vous sentez pas bien, voilà, quand vous commencez à déprimer, à pas être content. Dites-moi en commentaire, comme ça on puisse interagir ensemble sur ce que vous faites quand ça va pas trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo si t'aimes bien. C'est rare que je déballe tout comme ça devant vous, enfin devant la caméra.
Mais c'est vous derrière la caméra. En tout cas, je suis hyper fier de tous les intervenants qui sont venus lors de cette journée, ceux qui ont fait un show, ceux qui ont tenu un stand, ceux qui sont venus aussi, tout le public, vous avez été juste hyper sympa. Vous avez vraiment joué le jeu, vous avez participé à tous les stands. Merci à tous les stands aussi. Je n'ose pas citer de prénom parce que je sens que je vais oublier. Vous avez été énormément. En tout cas, sur ma page Facebook Téligenté, je vais mettre toutes les photos. Et puis voilà, je souhaiterais vraiment remercier tout le monde. Ça a été une journée juste extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. C'était vraiment une magnifique journée. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, l'aventure va continuer. Le prochain vlog, il sera juste, j'ai trop hâte de vous faire le prochain vlog. Et puis, ben voilà, il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maururu, Nana, et à bientôt les amis. Bisous.